Alors Lévi, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Un gâteau d'anniversaire. Bonjour les artistes, bienvenue sur dessinpourenfants.com. Alors Lévi, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Un gâteau d'anniversaire. Waouh, super! Alors ça, on aime bien dessiner les gâteaux d'anniversaire. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent, qui ont bientôt leur anniversaire, donc ça pourrait être un moyen aussi de pouvoir aussi souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un de sa famille. Hein, est-ce que tu savais qu'il y en a des qui ont leur anniversaire une fois par année? C'est beaucoup, non? Qu'est-ce qui te plaît dans la fête d'anniversaire? Les bonbons. Les bonbons, le gâteau, puis les cadeaux aussi peut-être. Et les chasses au trésor. Ah oui, hein, faire des jeux là autour. Et aussi dessiner un gâteau d'anniversaire. Alors on va s'aider du pas à pas de comment dessiner un gâteau d'anniversaire mignon qui se trouve dans le cahier de dessin sur les aliments mignons que vous pouvez télécharger dans la description ci-dessous. Lévi, qu'est-ce qu'il nous faut pour dessiner un gâteau d'anniversaire? Une feuille, un stylo noir. Et des crayons de couleur ou des stylos. C'est parti! Tous à vos stylos! On aura notre gâteau d'anniversaire ici au milieu de notre feuille et on va dessiner un rectangle mais pas complet. Donc, on va faire trois lignes. Voilà. Deux verticales et une grande horizontale. Et ensuite, on va dessiner les yeux et le sourire de notre gâteau, ici au milieu. Donc on va faire deux grands ronds, hop, un grand rond, un autre grand rond. Et c'est le style kawaii, c'est-à-dire qu'on va faire un grand rond en haut à droite et un petit rond en bas à gauche. La même chose de l'autre côté, et hop, et le reste on peut... colorier en noir. Oui. C'est un style très très simple. Et puis c'est sympa hein, de rendre les aliments vivants. Ça leur donne un côté sympa. Voilà. Maintenant on va pouvoir lui dessiner un sourire. Donc on fait hop un grand U juste en dessous des yeux. Super. On peut le faire avec une langue hein, parce que hop, il va se régaler. Ou bien plutôt, nous, on va se régaler pour le manger. Et puis, on peut lui faire des petits hop, sourcils au-dessus des yeux. Voilà. Maintenant, on va faire le glaçage qui va couler sur notre gâteau. Donc, on va commencer par faire un arrondi. Et on va faire maintenant plein de petites vagues. Parce que le glaçage, ça coule. Voilà, d'une manière aléatoire. Et maintenant, on va finir... Ah oui. Excuse-moi, je vais un petit peu trop vite, il faut que je t'attende. Ouais, super Lévi, bien joué. Et maintenant, on va finir notre premier étage parce qu'on va faire deux étages à notre gâteau. Voilà, donc on peut faire tirer un trait horizontal. Donc voilà, on a notre premier étage du gâteau. Maintenant, on va faire le second étage. Donc c'est parti mon kiki, on va faire deux traits verticaux, comme ça. Et puis ensuite, on va faire de nouveau notre glaçage. Donc hop, c'est parti mon kiki pour faire plein de petites vagues d'une manière aléatoire. Super Lévi, bien joué. Et on ferme, hop, en tirant un trait. Faites toujours les bords bien arrondis parce que c'est vraiment un gâteau avec un bon glaçage. Et puis on a notre deuxième étage qui est terminé. Bravo Lévi. Maintenant, on va dessiner les... bougies. Oui, alors on va faire un gâteau pour quelqu'un qui a quel âge? 5 ans? 6 ans? 6 ans. 6 ans. Allez, c'est parti. Donc, on va faire 6 bougies. Donc, c'est quoi des bougies? C'est des rectangles allongés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaye de les répartir pour que ce soit assez régulier. Super Lévi, bien joué, il est bien ton gâteau d'anniversaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut faire les... flammes. Les flammes. Donc une flamme c'est quoi? C'est un petit trait et puis une sorte de goutte d'eau. Hop, avec une pointe. Un petit trait et une goutte d'eau. Un petit trait, une goutte d'eau. Donc ça doit être pointu en haut. Hop. Et rond en bas. Un trait. Hop.
Je dis une goutte d'eau, mais en fait, c'est une flamme. C'est juste que ça se ressemble. Bien joué, Lévi, super. Et maintenant, on peut maintenant décorer notre gâteau. On peut mettre, par exemple, des cerises. Hop. On peut en mettre ici, on peut en mettre 4. On peut aussi mettre des fraises dessus. On peut mettre toutes sortes de choses. Mais c'est super, Lévi, ton gâteau d'anniversaire. Maintenant qu'on a fini de le dessiner, il ne nous reste plus qu'à le... colorier. C'est parti! Notre gâteau magnifique, Lévi, il est magnifique, ton gâteau d'anniversaire. Alors, tu as mis un glaçage à la framboise hein, et tu as mis aussi un biscuit au chocolat et vanille comme moi. Moi, j'ai fait un glaçage chocolat et framboise parce que j'ai trouvé que tu avais une super idée. Et top là, Lévi, c'est super bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis? Joyeux anniversaire, si c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Lévi, est-ce que tu as eu du plaisir? Oui. C'est le principal. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'espère que c'est votre cas. Si c'est le cas, mettez un... pouce bleu. Oui, comme ça la vidéo ira plus haut quand on va rechercher comment dessiner un gâteau d'anniversaire. Allez regarder sur notre site internet, il y a des cours de dessin en ligne, il y a un club de dessin, des cahiers de dessin, plein de choses. Et puis Lévi, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis? Au revoir. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.